Bonjour tout le monde, bonjour Roger, j'espère que vous allez bien. Et je me connecte ici juste pour communiquer et partager quelque chose que je trouve absolument fabuleux, qui se passe dans ma vie, mais qui se passe aussi dans la vie de mes clients. En réalité, moi je tombe amoureuse des projets de mes clients. Je parle avec une femme qui a un projet qui, comme je dis, moi je les appelle les porteuses de lumière, ils ont des projets lumineux. Je peux parler comme ça avec des femmes qui sont déjà bien loin dans leur vie, ils sont solopreneurs, elles travaillent déjà peut-être offline, maintenant elles veulent se lancer en ligne. Il y a toutes les différentes constellations possibles, mais souvent ce que je vois en fait, je vois le potentiel là, j'ai un vrai don, mais je vois que les femmes qui ont ce potentiel n'ont pas encore la confiance en elles, on ne se voit pas, ne se projette pas assez loin, manque quelque chose. Parfois, c'est un petit élément, t'as l'impression que c'était un édifice qui se sont construits, manque quelque chose, c'est pour ça que ça tourne pas rond. Et donc, moi, je tombe amoureuse de ces magnifiques projets. Et je les aide alors à voir le potentiel, je les aide aussi à voir ce qu'elles peuvent faire, l'élément qui manque. Donc moi, je suis professeure de danse, coach somato-spirituel et solopreneur. Et j'ai fait donc mon chemin aussi. Et ayant fait tout ce chemin ensemble ou à l'aide avec ma business coach Sigrun, je vois en fait, je vois quand toi tu as un projet lumineux, je vois ton potentiel et je vois aussi ce qui manque sur ce chemin. Pourquoi tu n'as pas encore le succès que tu mérites, ou pourquoi est-ce que tu es super stressée ou figée dans une sorte de peur inconsciente. Et c'est magnifique puisque comme je tombe amoureuse, ben, ma journée elle devient lumineuse. Je me dis waouh, c'est femme. Et ça, c'est si tu es dans mon groupe Porteuse de Lumière, tu es une femme comme ça. Je suis certainement tombée amoureuse de ton projet. Tu le sais peut-être même pas. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe, rejoins le groupe. Ou bien alors, ce que j'ai fait maintenant, spécialement pendant cette période de confinement, où il y en a beaucoup qui baissent les bras parce qu'elles ne voient pas. Elle ne voit pas la manière de pouvoir continuer à avoir des rentrées financières, ou elle ne voit pas que c'est un moment où elles peuvent se lancer. Et ce sont des histoires que tu te racontes. Ce n'est pas vrai, tu peux te lancer, tu peux continuer à avoir des rentrées financières. La seule chose, c'est que tu ne vois pas comment. Et donc, ce que j'ai fait maintenant, si tu veux travailler avec moi, tu peux aller sur mon site web, j'ai mis le lien avec le rendez-vous, et juste réserver une seule heure avec moi. Normalement, ce n'est pas possible, je travaille qu'avec les femmes qui s'engagent dans un processus. Je ne veux pas travailler avec des personnes qui croient qu'en une heure, elles peuvent résoudre tous leurs problèmes. Mais ici, je sais qu'avec le confinement, si tu parles avec moi, si tu vas avoir mon coaching de juste une heure, il y a moyen que je débloque, qu'on débloque ensemble le truc qui fait que là, tu n'avances pas. Et bon, ben, si c'est déjà ça, c'est déjà ça. Donc, tu peux prendre ce rendez-vous, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve ici et on peut faire ça ensemble. Tu trouves aussi sur, j'espère que je l'ai mis, je vais le remettre tout de suite à jour si je ne l'ai pas mis quand même. Et tu trouves aussi un rendez-vous gratuit, un rendez-vous, un coaching de transformation 20 minutes. Et là-dedans, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir aussi le blocage et alors voir si on peut travailler ensemble dans une durée dans la durée, donc avec un engagement dans un processus et un avancement. Donc ce sont deux choses différentes, ça dépend où tu veux aller, ce que tu veux ponctuellement juste avoir ici, mais sache qu'il y a des grandes choses, je crois vraiment qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Si tu m'écoutes ici, il y a des chances que j'ai quelque chose que je peux faire pour toi. Donc clique sur ce lien, prends le rendez-vous l'un ou l'autre avec moi et voyons voir ça. Comme je dis, cette histoire de tomber amoureuse de ces projets, j'ai parlé ce matin avec une personne qui a un projet magnifique. Elle en parle d'une manière contagieuse, d'une manière où tu te dis waouh, c'est beau cette passion qu'elle a et ce qu'elle fait, et elle ne le voyait pas. Elle ne voyait pas ça. Après le rendez-vous, elle a dit merci Gudrun. Waouh, je me sens totalement différente. Je vois les possibilités là où je voyais un mur devant moi et je suis tellement heureuse pour elle. Je suis tellement contente parce que c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir faire aussi, de vraiment t'aider à voir ton potentiel, voir les solutions plutôt que de voir les problèmes, plutôt que de se sentir coincé, de se sentir super stressé,
peut-être avec des peurs inconscientes et figées, à procrastiner à longueur de journée. Si tu n'es pas là où tu veux être, où tu rêves être, il y a une bonne raison. Ce n'est pas de ta faute. Et idéalement, tu as quelqu'un qui voit au-delà, qui voit ton potentiel, qui croit en toi. Et moi, je peux être cette personne. Je peux te le garantir parce que c'est les portes de lumière qui me contactent. Et fais-le, profite-en de pouvoir avoir quelqu'un comme ça, de l'autre côté, qui a ce don. C'est un don, c'est un don que j'ai, je le mets à ton service si tu le veux. Et donc, tu as ce lien, je vais mettre un deuxième lien pour rejoindre mon groupe Porteuse de Lumière, parce que c'est là que tu, c'est ta place, là c'est ta place si tu veux vraiment te trouver dans une sororité, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que tu attends? Je t'envoie un bisou, je te souhaite une bonne après-midi.